J'aide le président dans le développement de la société, dans les choix stratégiques qui sont faits et surtout dans la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie au sein de l'entreprise. Une de mes missions principales est la direction technique de l'entreprise. Nous sommes amenés à travailler sur des thématiques multiphysiques qui intègrent de l'électronique, de l'informatique, et bien entendu de la photonique. Alors après un bac scientifique, j'ai poursuivi par une école d'ingénieur en électronique optique. J'ai poursuivi par une thèse avec Alphanov et l'Université de Bordeaux. J'ai toujours été attirée par les sciences, la physique et les mathématiques. J'ai découvert plus spécifiquement la photonique, la lumière, les photons, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. La photonique est un domaine assez méconnu du grand public, alors que appliqué à beaucoup de secteurs d'activité différents. L'aéronautique, le médical, les télécommunications, la réalité augmentée, l'environnement, tous ces secteurs-là, il y a de la photonique. Et enfin, à la sortie de mes études, j'ai toujours eu en tête un goût pour l'entrepreneuriat. La communication et l'esprit d'équipe, la rigueur, et puis je pense que l'expertise technique est très importante. On a pour ambition de grossir et de devenir un acteur incontournable de la photonique. Il faut faire preuve de persévérance. Et puis ensuite, avec une bonne équipe et avec la passion, et ben, tout est possible.